Anne Hidalgo a déjà une dimension sociale, écologique. Comment vous démarquez ? On a un autre projet de société, on a un autre projet de ville. Nous avons en fait une proposition politique qui est une proposition très différente. Je crois qu'il y a une chose, si j'avais à souligner une chose, c'est la question de la cohérence. La cohérence, c'est de dire qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on lutte pour le climat, par exemple, en faisant des choses très bien, le plan vélo, par exemple. On a plus de pistes cyclables aujourd'hui. D'ailleurs, je m'en félicite et je m'en félicite d'autant plus que c'était une proposition des écologistes en 2014. Et de l'autre côté, permettre, par exemple, la construction de nouvelles tours. La de tour triangle, tasse de thé. L'illumination, par exemple, des Champs-Élysées, qui est sponsorisée par Ferrero et Nutella, qui est constamment attaquée sur questions de déforestation suite à l'utilisation de l'huile de palme. Donc, vous voyez, il y a une question de cohérence d'ensemble. We'll be right back.